comme les routes sont belles. Ce chemin de sapin là, c'est magnifique. Donc on se dirige vers notre activité. Nono n'a toujours pas voulu me le dire, mais comme j'ai dit, j'ai deux doutes. Soit moto des neiges, soit chaîne de traîneau. Parce qu'en plus il m'en a parlé il n'y a pas très longtemps de ça, donc je me dis que... Voilà. Je suis contente. Aïe, comme je suis heureuse. Je voulais tellement le faire ça au Canada, mais il n'y avait pas de neige. Et là, bon, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais parce que Nono il savait que je voulais le faire. Mais genre, du coup, je me suis pas trompée. Tu vas, tu t'en vas. Oh mon dieu, ils sont trop beaux. Vous savez que j'ai peur des chiens, moi. J'ai la phobie. Et bizarrement, j'ai pas la phobie des huskies. Parce que quand j'étais petite, j'allais faire de la canirando rando en Savoie avec mes parents chaque été. Et c'est la seule race de chiens dont j'ai pas peur. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Coucou. Oh, toi, t'es beau gosse, toi. Lui, avec ses beaux yeux bleus, là. Oh, ils sont tous beaux. Chien de traîneau, mon rêve, j'en ai jamais fait de ma vie. Trop contente. C'est un truc de malade, autant de boutiques de luxe en pleine neige. C'est un truc de... J'espère que ça va. On est bien rentré. La route était longue, mais on arrive à bon port. On a retrouvé Kenan, on va les retrouver Gigi, ma star. Mes enfants, ils m'avaient trop manqué. Kenan était dévarié de nous revoir. Aujourd'hui, au programme, écoutez, on est sur une journée famille, enfin, soirée en famille. Ce midi, je vais manger avec une amie à moi, une amie de longue date. On se fait un petit repas. Puis après, journée en famille et soirée en famille aussi. Donc, plutôt tranquille comme programme. Des programmes comme je les aime, vu qu'on rentre bientôt, on profite des derniers moments avec nos proches, quoi.